prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu es au milieu de nous aujourd'hui encore une fois, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour où nous nous sommes consacrés pour toi, Seigneur. Certaines personnes jeunes, certaines personnes ont fait le choix, Seigneur, de tout quitter pour être dans ta présence, Seigneur. Parce que nous avons choisi la bonne part. Nous voulons recevoir aujourd'hui de toi, Seigneur. Amen. Père, que toute personne qui a besoin d'une orientation, d'une direction, tu puisses la lui donner. Que toute personne qui a besoin d'un toucher de ta part, d'une guérison ou de quoi que ce soit, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans ce lieu. Et nous, de notre côté, nous prenons la décision d'ouvrir notre cœur pour recevoir la parole. Nous prenons la décision d'ouvrir nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Et nous prenons dès maintenant la décision de mettre en pratique ce que tu vas nous dire. Amen. Amen. Et amen. 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 D'écouter la parole, mais c'est encore mieux de la comprendre et de la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Amen. Surtout pour nous qui sommes les réguliers. Ici, j'appelle ça les réguliers. On en est à notre millième, centaine de milliers peut-être de messages. Mais chaque jour, c'est un rafraîchissement nouveau. Chaque jour, le Seigneur donne sa manne. Amen. 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 Ce week-end, vendredi, j'étais partie voir un spectacle. J'ai des amis artistes. Et il y en a un, il a fait une création musicale et c'était extraordinaire pendant le spectacle. Mais le Seigneur m'a parlé sur la route. Sur la route, j'écoutais la radio. Les garçons, peut-être que vous connaissez, j'écoutais un podcast de Roten, je crois que c'était Roten sans flamme, quelque chose comme ça. Et en fait, il demandait est-ce que Messi doit être sifflé. Quand il va reprendre les matchs, est-ce qu'il doit être sifflé ou non? Est-ce que quelqu'un comme Messi doit être sifflé ou non? Et c'était ça le débat. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec nous aujourd'hui? Vous savez, quand Paris gagne, on entend partout ici, c'est Paris, Paris est magique. Tout le monde connaît le PSG. Amen. Amen. Mais quand Paris perd, mais quand Paris se fait éliminer de la Ligue des Champions, comme ils se sont fait éliminer là par le Bayern, là on cherche des coupables. Là on cherche les coupables. Et les coupables, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les cadres. Ce sont les leaders. Ce sont ceux qui sont devant. Ce sont les plus connus. Amen. Amen. Et là on demande, est-ce qu'on doit le siffler ou pas, hein? Parce que apparemment, ils n'auraient pas joué comme ils auraient dû jouer. Ils n'étaient pas à la hauteur des attentes. Et ça, le Seigneur m'a touchée avec ce podcast. C'était le vendredi soir et le jeudi, il m'a donné Exode 17. Donc si tout le monde peut déjà aller, aujourd'hui on va se concentrer sur ce passage-là de la Bible qui est Exode 17, versets 1 à 7. Amen. Amen. Et je voudrais qu'on le lise ensemble pour que ça rentre aussi dans ta tête. C'est déjà dans la mienne. Amen. Exode 17, on va s'arrêter à la moitié du verset 6 qui finit par « Et le peuple voit ». Amen. On va le lire ensemble si on peut se lever, amen, au moins pour ce premier verset. Et vous allez voir le rapport avec le PSG. 1, 2, 3, on commence. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partie du désert de Sin. Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle
tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Amen. 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 Et on sait par la suite que Moïse a respecté l'ordre de l'Éternel. Il a fait ça et tout le peuple a bu. Amen. Amen. Ça, c'est le verset qui va nous conduire durant cette prédication. Je vous ai dit tout à l'heure que quand PSG était à l'apogée, tout le monde se sentait concerné. Tout le monde était avec les joueurs. Mais quand il y a la défaite, là, il n'y a plus personne. On commence à accuser les gens. Hein? Là, il faut savoir dans quel contexte on se situe là, Exode 17. Ça, c'est après les 430 ans de captivité en Égypte. Ils viennent d'être libérés. Le Seigneur leur a déjà donné la manne. Le Seigneur leur a déjà donné les cailles. Et là, ils arrivent au rocher à Massa et à Meriba. Amen. Amen. Donc là, ils sont dans un temps où après beaucoup de tribulations, après beaucoup de souffrances, d'esclavage, ils ont été libérés. Amen. Amen. Et nous, on sait qu'aujourd'hui, dans l'Église universelle de Dieu, nous sommes également à un temps particulier, puisque c'est la saison de la restauration. Donc tu étais peut-être comme les Hébreux, c'est-à-dire tu étais en captivité. Le Seigneur a décidé que cette année, ça allait être une année de restauration. Cette année, tu es sorti de la captivité, maintenant tu marches vers Canaan. Et pourtant, ils ont eu soif. Amen. On est à ce stade-là. Mais vous savez, quand ils ont quitté l'Égypte, là, vous imaginez comment c'était après 430 ans? Ça devait être comment? Ça devait être la fête, ils devaient danser, ils devaient louer le Seigneur, ils ont été bénis, l'Égypte, faut savoir que c'était le peuple le plus riche, le plus puissant sur toute la terre. Et eux, à leur niveau, en tant qu'esclaves, ils les ont baladés, ils les ont humiliés et ils ont eu une grande victoire. Nous-mêmes, quand on a une petite victoire, parce qu'on n'a pas fait d'esclavage comme eux, hein, on n'a jamais été esclaves, on est content, on loue l'Éternel. S'il faut faire des offrandes, alors là, on fait des offrandes. Amen. Amen. Nous-mêmes, on est comme ça. Donc, vous imaginez, après cette grande victoire, comment ils étaient en liesse, en joie et tout. Et comment ils devaient considérer Moïse? Ah, Moïse, c'était un héros. Vous savez, eux, les Juifs, à chaque fois que quelqu'un leur fait du bien, ils inventent des chambres pour cette personne. Saül a tué ses 1000, David il a tué ses 10 000. Donc là, je ne sais pas quelle chanson ils ont dû inventer pour Moïse, mais ils ont dû inventer de ces chansons pour Moïse. C'était un héros, il était au top, 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 top du top. Et eux, ils étaient très contents, très heureux. Vraiment, pour eux, c'était la saison de la restauration, vraiment. Et c'est vraiment ce qui se passait à ce moment-là. Amen. Ils ont dû donner des cadeaux à Moïse. Franchement, ils ont dû vraiment le servir. Ça a dû être vraiment trop, trop, trop beau et plein de joie et plein de paix. Et là, maintenant, il arrive que pendant cette saison de restauration, l'eau manque. On voit le comportement et la réaction du peuple. C'est pour ça que je voulais qu'on lise ensemble tous la parole. Vous avez vu qu'ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler contre Moïse. Si Moïse il dit au Seigneur un peu, ils me lapideront, ça veut dire qu'il a entendu. Si ça continue, on va le lapider. Amen. C'est sorti quelque part. Amen. Il y avait déjà un complot de meurtre contre Moïse. Mais non. Amen. Sinon, ce ne serait pas sorti comme ça. Il avait déjà targeté. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Il nous a fait sortir du pays d'Égypte pour comme ça, on meurt de faim comme ça dans le désert. Ça ne va pas se passer comme ça. Amen. Amen. Même si on ne doit pas dire amen pour ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. La réaction, elle était très émotionnelle, très virulente contre le leader. Comme là, PSG, quand il gagne, tout le monde aime bien le PSG, et après là, on veut huer, on dit Neymar, il ne sert à rien, personne ne sert à rien, tout le monde ne sert à rien. Vous voyez? Les gens qui étaient considérés comme des zéros, ils deviennent des zéros. Héros zéro, voilà, ça bascule vite fait comme ça parce que le peuple est dans le manque. Amen. Et il faut savoir que là, eux, dans la parole du peuple, on parle pas de Dieu, hein, sachant que là, dans cet épisode, quand ils sont arrivés au rocher de Massa là, et de Meriba, vous savez que comment ils sont venus? Ils sont venus par la nuit et le jour, et par le feu la nuit.
Donc c'est le Seigneur qui les a conduits jusqu'ici. Mais là, quand il manque d'eau, on ne parle pas de Seigneur, il n'y a pas d'Éternel. Le coupable, c'est Moïse et personne d'autre. Tout ce que le Seigneur a fait avant, aux oubliettes. Ils ont tout oublié. Les Égyptiens, ils ont tout oublié et tout ça. Ils disent qu'il fallait plutôt nous faire mourir là-bas, parce que là-bas, au moins, on mangeait. Là-bas, au moins, on avait de l'eau. Tu n'avais pas de vie, tu étais un numéro, mais tout ça, tu as oublié. C'est pas grave. Amen. Donc là, on voit la réaction du peuple, le switch. Et là, il n'y a vraiment que de l'incrédulité, que de la méchanceté, complot de meurtre, et tout le monde est dedans. Des fois, dans la Bible, on entend, non, il y a telle tribu qui est restée fidèle à, il y a telle personne. Est-ce que là, ils ont dit quelqu'un? Non. Ça veut dire qu'ils étaient tous contre Moïse. Tous. On ne dit même pas, Aaron est venu le soutenir, ou sa sœur Myriam. Non, il était seul contre tout le reste. Lui, contre tout le reste du monde. Vous voyez, on est à ce stade-là. Quand on se met à la place de Moïse, maintenant vous mettez à la place de Moïse, c'est la fin de la captivité. Lui qui a été élevé par les Égyptiens, qui ensuite a fui après le meurtre qu'il a commis, et puis le Seigneur l'a utilisé comme ça pour délivrer son peuple. Il a vu ce que le Seigneur a fait, il a vu la caille, il a vu la manne, il a vu la nuée, tout ça, c'était quotidien pour lui. Et là, il se retrouve après cette grosse victoire où il était un leader connu et reconnu, le héros parmi tout le peuple. Là, le peuple a soif, revirement de situation. Il devient un zéro, il devient un paria, on veut le tuer. Nous, on a des problèmes, mais personne n'a un contrat de meurtre sur sa tête que je chasse. Vous voyez ? Donc, il était à un niveau de difficulté pendant sa saison aussi de restauration. Parce que lui, il était perdu, hein, il était avec les Égyptiens, et là, il est vraiment revenu, il a amené le peuple, c'était aussi sa saison de restauration. Amen. Et pendant cette saison de restauration, vous voyez la tempête qui s'abat sur lui. La tempête qui s'abat sur lui devient cible de meurtre. Et Moïse, il crie à l'Éternel, il dit, que ferai-je à ce peuple? Bientôt, ils me lapideront. Amen. Là, vous voyez deux réactions complètement différentes. Ils sont dans la même saison, mais la réaction, elle n'a rien à voir. La réaction, elle est totalement différente. Pourtant, ils vivent la même saison. Et c'est ce qui peut arriver dans la même église. On sait qu'on a une seule et même vision, un seul et même apôtre. On est une seule et même église. Quand une saison, un temps est donné, c'est pour tout le monde. Ne te dis pas, oui, c'est la saison de la restauration, mais moi, je ne fais pas partie. Non, non. L'onction, elle coule de la barbe d'Aaron et descend jusqu'au bord du vêtement. La vision, elle est pour tout le monde, du plus grand, du plus petit. Elle est pour le pasteur, la prophétesse, la diaconesse, pour toute l'église. Elle est pour toute l'église. Amen. Donc, si c'est un temps de restauration, tu fais partie de ce temps de restauration. La saison de restauration est pour toi aussi. Donc, on est tous dans le même bateau. On est tous à ce croisement charnier qui est le rocher de Massa et de Meriba. Amen. 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 Pourtant, on voit qu'on peut agir de manière totalement différente. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est la bonne attitude pendant la restauration. La bonne attitude pendant la restauration. Parce que pendant ton temps de restauration, ça ne veut pas dire que tu ne manqueras pas de rien. Ça ne veut pas dire que 100% de tes problèmes seront réglés. Des nouveaux peuvent intervenir. Des problèmes peut-être encore plus élevés que ceux que tu avais avant. Parce que le diable, justement, veut te mettre dans la confusion totale. Il sait que quand le Seigneur dit une chose, elle arrive. Il l'ordonne, elle existe. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas stopper la parole que l'Éternel a déjà donnée. Il ne peut pas stopper le temps de restauration que l'Éternel a déjà donné. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est te disqualifier par ton attitude. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est faire en sorte que toi, pendant ce temps de restauration, tu agis mal, tu as la mauvaise attitude. Comme ça, tu n'es pas restauré. Amen. Ça, c'est son plan. Donc là, vous voyez deux profils pendant une même saison. Je prie pour toi que tu agisses comme Moïse. Et c'est ça que je vais t'écrire aujourd'hui. Quelle attitude tu dois avoir pendant ton temps de restauration. Amen. Et Moïse a tout montré. Moïse, ici, c'est le conducteur du peuple. Quand vous êtes... Il faut savoir, là, ils disent qu'il y avait les hommes, les femmes, les enfants et les troupeaux.
Il y avait dans la Bible amplifiée, quand on fait des recherches, vous savez, il y a combien de personnes là? Il y avait 600 000 hommes. Les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. On a plus rempli la terre. Écoutez, je ne sais pas ce que vous faites, mais nous on avance. Amen. Plus les enfants. Ça veut dire qu'il y avait environ 2 millions de personnes. C'est très important. 2 millions de personnes plus les troupeaux. Amen. Donc vous voyez 2 millions de personnes, toute une foule comme ça, contre vous. Qui n'ont qu'une envie, c'est de vous exterminer, de vous dégager, parce que là, c'est bon, ça suffit. Tu nous as peut-être été très utile avant, tu nous as peut-être beaucoup aidé pour sortir d'Égypte, mais ici, là, maintenant, tu ne sers plus à rien. Avant, tu étais peut-être une connexion divine de ma destinée, mais là, c'est bon, quoi. C'est ce qui se passait pour Moïse. Mais il reste quand même le conducteur du peuple. Et on voit que la première chose qu'il a fait, lui, Moïse, dans verset 4, on nous dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Le peuple, ils ont dit quoi à Moïse? Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Qui les a fait sortir du pays d'Égypte? En vérité, l'Éternel. Pourtant, eux, ils ont dit à Moïse, pourquoi toi, tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Moïse, quand il a les 2 millions de personnes sur lui, là, qui veulent le lapider, il aurait pu prendre la même phrase et dire à l'Éternel, l'Éternel, pourquoi toi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Parce qu'en vérité, c'est lui. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, que ferai-je à ce peuple? Vous voyez? La réaction, elle est différente. La réaction, elle est différente. Parce que Moïse, la première chose qu'il a fait, il s'est tourné vers Dieu. Pendant ce temps de restauration, la première des choses que tu dois faire, c'est te tourner vers Dieu. Il n'a pas appelé Aaron, il n'a pas appelé, il avait des anciens, puisqu'on voit que le Seigneur il lui a dit, après tu réunis les anciens. Il avait une troupe d'hommes autour de lui, il avait son équipe rapprochée. Non, il ne s'est pas adressé à eux. Il avait son frère, sa sœur, il ne s'est pas adressé à eux. Il s'est tourné vers l'Éternel. Ne sois pas étonné que tu aies des difficultés pendant ton temps de restauration, ça fait aussi partie. La dernière fois, je vous ai dit que ta maladie, ça veut dire prophétiquement que ta guérison va arriver. Parce que tu ne peux pas avoir de guérison sans la maladie. Tu ne peux pas passer par le mariage sans être passé par le célibat. Donc le célibat, c'est l'annonce prophétique que ton mariage va bientôt arriver. Amen. Moïse, c'est ce qu'il a fait. Il s'est tourné directement vers l'Éternel. Il n'a pas dit comment c'est possible, pourquoi on nous a fait sortir pour se retrouver là. Non. Il sait que pendant le temps de restauration, je suis peut-être sortir de la captivité, mais il reste encore. Mais il reste encore. Amen. Donc note bien, la première des choses, c'est que tu te tournes vers l'Éternel. Et quand on lit tout l'Exode, les Nombres, le Deutéronome, tous ces livres de Pentecôte, où il y a Moïse, on voit qu'il avait une vie de prière. À chaque fois dit Moïse cria à l'Éternel, c'est Moïse, il a dû se mettre à genoux, il a dû implorer l'Éternel. Mais c'est tourner vers lui, il a prié. C'est pas le moment, quand c'est la saison de restauration, d'arrêter de prier. C'est pas parce que tu commences à voir les fruits de ton miracle, ce que tu attendais depuis longtemps, que maintenant tu t'arrêtes. Hein. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas parce que tu cherchais une maison depuis longtemps, là tu as eu ta maison, après maintenant, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Ton temps de restauration, il peut se passer pas mal de choses entre temps. C'est là où tu dois redoubler ta connexion avec l'Éternel. C'est là où tu dois continuer à prier et pas t'arrêter. Et Moïse, direct, il s'est retourné vers l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. En cas de problème, même si c'est une saison où tu es béni, tu te concentres sur l'Éternel et c'est lui que tu cherches. Amen. 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 C'est lui la solution à tes problèmes. Peu importe si en ce moment, ça va mieux dans ta vie. Amen. Ça, c'est la première chose à noter. De tourner vers Dieu. Le problème, c'est que les gens, ils ne se tournent pas vers Dieu. Ils pensent que ton problème, en vérité, c'est à cause du pasteur. C'est parce que l'église, elle n'est pas assez loin. Il n'y a pas assez de monde dans l'église. Moi, je suis nouvelle. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je ne connais pas beaucoup de gens dans l'église. C'est pour ça que tu es dans cette situation. Laisse-moi te dire que le pasteur n'a rien à voir avec ta situation. Il était là quand tu étais né? Quand tu as fait toutes tes connexions, quand tu as fait tous tes trucs, toutes tes décisions, il était là? Il n'était pas là. Mais on aime bien accuser les leaders. Ouais, dans l'église, il n'y a pas assez d'onction. Ma délivrance est tarde. On ne fait pas assez de ministère. On ne fait pas assez de délivrance. Mais tu te mens à toi-même.
Ça n'a jamais été la faute du pasteur, ni de l'église. Et c'est ce qu'on fait, les Hébreux. Là, ils cherchent le coupable. Là, c'est... ils ne peuvent pas dire éternel, ils ne sont pas fous. Les Juifs, ils connaissent Dieu. Donc, ils prennent Moïse. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. C'est ta situation à toi. Peut-être c'est à cause de ton passé. Peut-être c'est aussi à cause de ton héritage. Parce que nos parents, ils ne vont pas faciliter la tâche pour être polis. Amen. Amen. Et vous avez vu la manière dont tu t'es tourné vers l'éternel. C'était pas dans la plainte. C'était pas dans le murmure. Il n'a pas dit pourquoi toi tu nous as fait monter d'Égypte. Non. Il a dit que ferais-je? Que ferais-je à ce peuple? Il a demandé comment agir. Il a demandé quoi faire. Le proverbe 18-21 nous dit que c'est par la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu dis qui arrive. C'est ce que tu crains qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Donc lui, il n'est pas allé murmurer. Il ne s'est pas plaint au Seigneur. Il a demandé au Seigneur, que ferais-je? On a un référentiel. On a un référentiel, on a un guide, c'est la parole. Il n'y a pas une situation que tu vis aujourd'hui que tes pères n'ont pas déjà vécue, qui n'a pas déjà existé dans la Bible, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que tu vis aujourd'hui qui n'a jamais existé? Non. Non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est très 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 clair, on l'a beaucoup dit. Amen. Le peuple ne prie que les problèmes, ne voit que les problèmes, ne parle que problèmes. Mais lui, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Il a parlé positif. Il a demandé au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il sait que le Seigneur est la solution pour tout. Toi-même, pendant ce temps de restauration, quand un problème surviendra, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu proclames. Ne cherche pas de coupable, il n'y en a pas d'autre. Amen. Et tu demandes au Seigneur quoi faire. Et tu regardes dans la parole et il est certainement écrit quelque chose dessus. Amen. Il faut lire la Bible, consulter ton référentiel et demander à Dieu quoi faire. Et pas l'accuser. Amen. 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 Donc, tout à l'heure, je vous disais que dans ce temps de restauration, ça ne veut pas dire un temps sans problème. C'est justement un temps où tu ne dois pas être dans la distraction. Parce que c'est comme un vent. Il est en temps d'emporter toute l'église, les uns après les autres, pour les bénir, pour les restaurer, pour la guérison. C'est un temps favorable. Il y a un temps pour tout sous les yeux, on est d'accord. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour semer. Quand on te dit c'est le temps de la restauration, profite de ce vent de restauration. Amen. Parce qu'il y aura des saisons qui seront plus compliquées que celles-ci. Amen. Donc je disais, il y avait environ 2 millions de personnes. Ils étaient dans le temps de restauration, pourtant les problèmes étaient nombreux. Vous imaginez, qui a déjà été dans le désert? Personne. Ok. Même là, si vous allez, des fois, quand les gens ils vont au Maroc, ou même en Afrique, on peut passer une nuit dans le désert et tout ça. Et à chaque fois, on te dit, faut bien te couvrir, tu te bandes et tout ça. Pourquoi? Parce que dans le désert, il fait très 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 chaud le jour, c'est très très sec, mais la nuit il fait très 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 froid. Et il y a le vent il est rempli de sable. Le vent il est rempli de sable, ça te brûle les yeux, ça peut t'irriter les yeux si t'es quelqu'un de fragile. Moi quand je ne bois pas assez d'eau, j'ai des crampes, je me lève la nuit et mon mari est obligé de tenir ma jambe comme ça. Non mais ça marche hein. Ça marche archi. Il tient ma jambe comme ça. Et moi, j'appuie, je la laisse bien tendue comme ça. On attend 2-3 minutes et après la crampe, elle passe. Mais ça, c'est parce que j'ai pas assez bu d'eau dans la journée. Mais vous imaginez quand vous n'avez pas assez d'eau, vos lèvres, elles sont gercées. Tellement elles sont gercées, elles sont coupées. Vous avez des crampes, pourtant, vous devez continuer à marcher. Il fait chaud le jour, ça tape. C'est plus de 40 degrés, 45 degrés là où ils sont là. Et la nuit, il fait froid. Et la nuit fait froid, il y a le sable, il y a le vent qui souffle. Et t'as soif, et t'as soif, et t'as soif. Et vous marchez parce qu'on disait qu'ils devaient continuer à marcher. Sauf quand l'Éternel leur demandait d'arrêter. Ils stationnaient le nombre de jours que le Seigneur lui disait. Après, ils devaient repartir. Donc ça devait être très, 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 très compliqué. Pendant ce temps de restauration, Dieu est sur le point d'opérer un miracle, un changement important dans ta vie. Mais pourtant, il y aura quand même des nouveaux problèmes.
ta solution dans tous les cas. Ne cherche pas à gauche, ne cherche pas à droite. C'est pas le moment de rentrer dans un nouveau péché. Déjà, t'en as plein. C'est pas le moment d'en inventer un nouveau. Amen. Pour te disqualifier automatiquement, ce serait trop dommage. C'est le moment de te tenir à carreau. C'est le moment de rentrer dans la prière, de rester proche du Seigneur, de parler positif. Mais c'est aussi le moment de savoir que ton seul secours, c'est Christ. Ton seul secours, c'est Christ. La prochaine fois que je viendrai ici, je parlerai du rocher. Là, aujourd'hui, on ne parle pas du rocher, on parle de l'attitude. Amen. Mais c'est le moment de trouver ta solution. Il n'y a pas plusieurs solutions, il n'y a pas une solution, il y a la solution. Et la solution, ça a toujours été Christ. Ça a toujours été ton Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Parce qu'on se connaît, mais en vérité, on ne se connaît pas. Amen. Il n'y a que Dieu qui sait ce que tu vis dans ton cœur. Peut-être tu es dans un temps de restauration, mais tu attends encore que le Seigneur te délivre de l'oppression démoniaque qu'il y a sur toi parce que tu ne dors pas. Ça se trouve, tu attends encore des documents administratifs. Tu attends encore que ton propriétaire te lâche la grappe. Tu attends encore une guérison complète parce que des douleurs te font encore mal. Mais aujourd'hui, je vais encore te dire que la solution dans tous les cas, la solution pour réparer ton couple, la solution pour que tu sortes de là, ça peut être que avec le Seigneur. Amen. Amen. Ça peut être que avec le Seigneur. Et Moïse a eu la bonne attitude et le Seigneur lui a donné des instructions. Tu vas pas me dire, j'ai demandé au Seigneur quoi faire, il m'a pas dit. C'est faux. Le Seigneur répond toujours. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu étais dans la distraction? Ou est-ce que tu as attendu assez pour attendre la réponse? Mais dans tous les cas, il te répondra. Amen. Et il répond à Moïse. Il répond à Moïse, passe devant le peuple. Prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Donc, il a donné les instructions. Mais il ne faut pas croire que le Seigneur, il parle comme ça en vain. Dieu, il ne parle pas beaucoup, beaucoup, mais il est très précis. Et s'il te donne 4 instructions, c'est ces 4 instructions que tu dois suivre. Nous, on aime bien, il m'a dit 4 instructions, j'en prends une, celle qui est la plus facile pour moi, celle qui est la plus rapide. Mais ce n'est pas comme ça. Moïse, il lui a donné plein d'instructions, il a tout suivi. Et je vais vous montrer que chacune des instructions que le Seigneur lui a données, ce n'était pas en vain. C'était parce qu'il y avait quelque chose derrière. Il y avait un secret dans l'action qu'il posait. Amen. La première demande, qu'est-ce qu'il lui dit dans le verset 5? Passe devant le peuple. Amen. Il lui dit, passe devant le peuple. Moïse a toujours été un leader. Il ne voulait pas au début. Hein. Il a dit au Seigneur, moi je ne sais pas parler, nanani, nanana. Le Seigneur a dit, tu y vas. Tu y vas quand même. Il est parti. Et il était leader, et il était héros. Et là, il a dégringolé de niveau. Et le Seigneur, il lui dit, passe devant. Beaucoup, nous sommes toujours des derniers. On n'est jamais les leaders. On passe jamais devant. Même si tu as les 2 millions de personnes qui sont contre toi, il lui a dit, passe devant. Reste leader. Reste leader de ta situation. Nous, on attend que les choses, elles viennent. Voilà, les circonstances, on se laisse suivre. Même ta propre circonstance, tu es suiveur dans ta propre circonstance. C'est quand même gonflé. Si tu ne prends pas le lead sur ton propre problème. Mais non. Attends, je vais appeler le pasteur, je vais appeler le pasteur. Prends le lead, passe devant. Passe devant, c'est ta situation, c'est ton problème, passe devant. Reste leader. Tu ne peux pas suivre ta propre circonstance, c'est débile. Vous tournez en rond. C'est toi contre toi, donc on ne sait même pas qui est devant, qui est derrière. Passe devant. Reste leader. Ça veut dire prends autorité et conscience de l'autorité que tu as. J'ai un frère dont je ne citais pas le nom avant, je l'ai écouté prier. Il disait, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Maintenant, je l'écoute. Il dit, je te taille en pièces. Il dit, je suis Dieu devant toi, meurs. Il coupe la tête des serpents lui-même maintenant. Il a changé. Il a eu conscience de l'autorité qu'il avait. Nous, on dit, Seigneur, délivre-moi. Mais Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'il se passe. Il te donne les armes pour que toi,
tu sortes. Amen. Amen. Tu as autorité, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous-mêmes. Donc il faut arrêter. Il a dit passe devant. Ça veut dire dirige, mène, prends autorité. Amen. Si on peut rapidement, avant de revenir dans l'Exode 17, prendre le psaume 114. Avec le début du verset 114. Amen. On y est ? Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. On parle de ce qui vient de se passer, je vous ai dit, ils sortent justement de 430 ans de captivité. Judas devint son sanctuaire, Israël fut son domaine, la mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là? Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mère pour t'enfuir? Je vous ai dit, on a l'autorité. On peut tout détruire, on peut tout annuler, tous les plans sataniques contre nous. En fait, quand la mer te voit, si tu n'es pas seul, si tu marches avec Dieu, c'est pas toi qu'elle voit, c'est Dieu. Et en fait, la mer, elle a peur, elle connaît Dieu. C'est son créateur. Donc, elle dit, oh non, moi, je ne veux pas avoir affaire avec Dieu. Donc, c'est pour ça que la mer s'est reculée. C'est pour ça que quand Jésus il a dit à la tempête, tais-toi, elle s'est tue. Vous voyez? On a autorité. La mer, en fait, elle a peur. C'est que nous, on n'est pas conscients de notre autorité. Donc, on voit le danger et nous-mêmes, on fuit. Donc, c'est comme si tu vois un chien. Toi, tu as peur. Le chien, il a peur de toi. Le chien, normalement, il a peur des hommes. Mais il voit que toi, devant lui, tu as peur, tu fuis. Donc, ça lui donne de la force. Ça lui donne de la force. Donc au lieu de fuir, il ne fuit pas. C'est pour ça qu'on doit passer devant. C'est pour ça qu'on doit prendre autorité. En vérité, la circonstance, elle a peur de toi. Elle a peur de toi parce que toi, tu marches avec Dieu. Donc elle voit Dieu, elle dit, ouh, vaut mieux que je détale. Mais en fait, comme elle te voit, toi qui n'as pas conscience de qui tu es, qui tremble. Mais en vérité, lui, il ne connaît pas, alors il ne sait rien. Donc elle résiste. Mais à la base, la mer le vit et s'enfuit. La mer, quand elle a vu Israël, elle s'est enfuie. Quand elle a vu le peuple, elle s'enfuit. Les montagnes se tirent comme des béliers. D'habitude, elles sont stoïques. Mais non, là, elles ont commencé à sauter parce qu'elles ont eu peur. Les montagnes qui sont devant toi, en vérité, elles ont peur de toi. Elles ont peur de toi. Mais toi, comme tu ne le sais pas et tu as peur, ça leur donne de la force et elles te résistent. Amen. Passe devant, n'aie pas peur. N'aie pas peur des situations qui se placent devant toi. N'aie pas peur. Et peu importe la finalité, tu dois résister. Tu dois résister. Amen. Tu es avec Dieu. Et les pierres, la mer, tout ce que vous voyez, toute la création, elles savent très bien qui est Dieu. Hein? C'est nous l'homme qui faisons comme si on a tout inventé, on a créé le monde et tout ça. C'est pour ça qu'on dit, si tu ne loues pas, les pierres elles-mêmes te loueront. Pourquoi? Parce que les pierres elles savent qui est Dieu. Les montagnes elles savent qui est Dieu. Les fleuves, tout le monde sait. Sauf nous, où on fait semblant de ne pas savoir. Amen. Elles ont peur de toi en réalité. C'est pour ça qu'on leur dit, passe devant, n'aie pas peur, reste leader, dirige, mène. Ça, c'était la première instruction. La deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Toujours dans Exode 17. Prends avec toi les anciens. Amen. Pendant ton temps de restauration, plus que jamais, fais attention avec qui tu marches. Entoure-toi des bonnes personnes. Je vous ai dit, la restauration, c'est comme un vent. Elle l'emporte. Tu peux profiter de la bénédiction même de ton voisin, même de ton frère, même de ta sœur.
Amen. Il a dit, prends avec toi les anciens. N'y va pas seul. N'y va pas seul. Il a dit, va devant, oui. Mais il a dit, n'y va pas seul. N'y va pas seul. Prends avec toi les anciens. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Entoure-toi de bons conseillers. Dans le proverbe, on nous dit, la sagesse vient de multiples conseillers. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. C'est exactement ça. Pendant ton temps de restauration, ce n'est pas le temps de marcher avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas le temps de marcher avec des gens qui ont un autre Dieu. Qui servent d'autres dieux. Ce n'est pas le moment. Entoure-toi des bons conseillers, des gens qui t'aident à grandir, des gens qui veulent te faire monter, des gens avec qui vous avez la même vision. C'est les anciens, ils étaient peut-être plus bas au niveau spirituel que Moïse, mais ils avaient la même vision, ils connaissaient Dieu. Et il a dit, prends-les avec toi, n'y va pas seul, prends-les avec toi. Quand deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Amen. Le Seigneur se glorifie quand il y a toute une assemblée, quand nous sommes nombreux à lui demander la même chose. Et là, il a dit, vas-y, prends les anciens. Prends les anciens. Pendant ton temps de restauration, regarde avec qui tu marches. Il y en a, ils marchent plus avec des païens qu'avec des chrétiens. Ils confient tous leurs secrets à leurs amis qui sont hindouistes, qui sont islamiques. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Regarde avec qui tu marches. Entoure-toi des bonnes personnes. Si le Seigneur ne te parle pas ou si tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit, peut-être qu'il va passer par ton frère pour te le dire. Peut-être qu'il va passer par ta soeur pour te le dire. Amen. C'est pas le moment d'aller n'importe où, de faire n'importe quoi pendant ce temps de restauration. Entoure-toi des bonnes personnes. Des gens qui seront acteurs de ta destinée, qui vont t'aider à atteindre ta destinée, à marcher avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, prends les anciens. Maintenant, toi, tu es en temps de restauration, comme ça va mieux, les amis que tu n'as pas vus depuis longtemps là, qui sont dans les n'importe quoi, c'est maintenant que tu y vas parce que ça va mieux, tu as plus le sourire. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Toi, il lui a dit quoi? Prends aussi dans ta main ta verge. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. C'est pas la première fois que le Seigneur demande à Moïse d'utiliser cette verge. C'est pas la première fois. Amen. Amen. Le Seigneur, quand il t'envoie quelque part, il t'équipe. Il t'équipe. Toi, tu n'as peut-être pas ce bâton, mais il t'a équipé. Amen. Amen. Il t'a équipé. C'est avec ce bâton qu'il a changé l'eau du Nil en sang. C'est avec ce bâton qu'il a ouvert la mer Rouge. Donc avec ce bâton, il s'est déjà passé des miracles. Amen. Mais toi, tu vas les mains nues comme ça. Non. Le Seigneur t'a équipé, il t'a donné des armes, il t'a donné... Non, tu vas en vacances, c'est ton centre de restauration. Donc c'est le moment où je prends des vacances. Tiens, je vais aller dans tel pays, t'as même pas ta Bible, t'es parti comme ça. Non. Il t'a donné quelque chose. La verge était la verge personnelle de Moïse. Et là, il est parti avec. Et au-delà de la simple arme que je suis en train de décrire, la verge, ça signifie l'œuvre de la croix. Parce qu'à chaque fois qu'il a utilisé cette verge, il s'est passé un miracle. Il utilise cette verge pour frapper. Et on verra plus tard, ça c'est une autre prédication. Mais avec cette verge, il a frappé le rocher, et l'eau est sortie. Mais surtout avec cette verge, la prochaine fois quand tu lui as demandé de parler, lui il n'a pas parlé, il a frappé. Il a frappé. Mais en fait, quand je dis ça signifie l'œuvre de la croix, Jésus est mort une fois. Quand on l'a frappé, quand on l'a tué, il ne pouvait pas le frapper deux fois. C'est pour ça qu'il a été disqualifié. Amen. 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 Il faut passer par l'œuvre de la croix. Tout ce que nous avons, c'est grâce au sang de l'agneau. Tout ce que nous avons, c'est parce que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour nous. Si tu as été racheté, si tes péchés sont pardonnés, si le Seigneur a pu enlever tous les péchés que tu as fait pendant ton temps d'ignorance et le jeter loin dans la mer de l'oubli, c'est parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Sinon, les sorciers de ta famille, on connaît nos pays, nous auraient déjà exterminés, oui ou non? On ne serait même pas là.
Parce que Dieu est né, ils avaient déjà fait des pactes, ils avaient déjà versé du sang. Si ce n'est pas des animaux, c'est même des humains. Ils avaient fait des choses horribles. Mais à cause de l'œuvre de la croix, et ce que disait le pasteur tout à l'heure, tous les actes, les ordonnances qui nous condamnaient, il les a effacés. Mais c'est par l'agneau de Dieu, ça s'est fait par l'œuvre de la croix. Amen. Prends ta verge, prends le sang de l'agneau. Ne va pas comme ça au temps du combat. Proclame le sang de Jésus-Christ. Proclame l'œuvre de la croix. Prends ta verge. Marche avec ta Bible. Fais quelque chose. Le Seigneur t'a tout donné. Il t'a donné quelque chose de personnel. Là, c'était personnel, sa verge. Mais toi, je suis sûre qu'il t'a donné quelque chose. Puisqu'il nous a déjà donné tous le sang. Mais il t'a donné une vision. Il t'a donné une parole. Il t'a forcément donné un réma. Il t'a donné quelque chose. Il n'aime jamais ses enfants comme ça. Amen. Et il lui a dit quoi ensuite, après prends la verge, la dernière instruction. Voici, je me tiendrai devant. Non, et marche, il n'y a pas et marche. Ah, pardon, et marche. Ah, et marche. Quand je vous dis, le Seigneur donne des instructions, il n'y en a pas qui sont moins importantes ou non. Il lui a dit, et marche. Et marche, ça veut dire quoi? Ne reste pas sur place, avance. Va droit devant, avance. Un jour, le Seigneur m'a parlé, c'était dans le deuxième livre des Chroniques, quand on parle du roi Asa. En tout cas, ça s'écrit A-S-A, je ne sais pas si on dit Asa ou Asa. Voilà. Il a eu un temps pendant 2 ans où tout était calme. Il y avait la paix dans son royaume, il y avait la paix à Juda. Et après, il a vu une multitude d'ennemis plus forts que lui venir contre lui. Et il lui a dit, va et marche contre eux. Et c'est ce que le Seigneur m'avait dit contre mes ennemis, contre ces francs-maçons. Il m'a dit, va et marche contre eux. Ça veut dire que je devais continuer l'intercession. Ça veut dire que je devais continuer à prier. Ça veut dire que je ne devais pas me cacher. Je continuais à aller au boulot. Je continuais à intercéder. J'ai mis de l'huile partout sur mon bureau, en haut ou en bas. En tout cas, le feu de Dieu, ils l'ont senti, je suis sûre. Amen. Marche. Tout à l'heure, je vous ai dit que la mer, en vérité, quand elle te voit, les montagnes, tes problèmes, tes circonstances, à la base, ils ont peur de toi parce qu'ils voient Dieu en toi. Amen. Mais si toi, t'es là, tu trembles, tu restes statique. Non, il a dit, va, marche. Il y a 2 millions de personnes qui veulent te tuer. C'est pas grave, passe devant, marche. Et... C'est ce qu'il a dit. Hein? Marche quand même. Ceux qui sont avec toi en vérité sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Amen. 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 Donc il a marché. Et là, le Seigneur lui dit, moi je me tiendrai devant le rocher des rêves et tu frapperas de ta verge et le peuple boira. Le peuple a bu. Je vous ai dit, il y a 2 millions de personnes. Amen. Amen. Ok. Imaginez une foule de 2 millions de personnes. Moïse frappe le rocher comme ça. L'eau, elle sort. Comment l'eau est sortie? À quel point l'eau est sortie? Il n'y a pas eu d'émeute. Il n'y a pas eu de piétinement, de centaines de morts. Parce que pour nous, pour donner de l'eau à 2 millions de personnes, si c'était un robinet, qu'est-ce qui serait passé? Mort, piétinement, foule. Comment ils appellent ça, les vagues de foule, là? Comment ça fait en Corée quand c'était Halloween, là? Mouvement de foule, mort. Mouvement de foule, quand les personnes sont très 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 nombreuses, ça crée des morts. Parce que les gens, ils se piétinent. Tu peux plus arrêter, il y a trop de monde. Là, il y avait 2 millions de personnes, l'eau est sortie. Ça veut dire que ce n'est pas un robinet qui est sorti. Quand tu as la bonne attitude, quand tu suis les instructions du Seigneur, toutes les instructions, sans en oublier, sans en aménager, sans en changer, en modifier, en ignorer, voilà ce qui se passe. Ils ont demandé de l'eau. L'eau est sortie comme un fleuve. L'eau est sortie comme un fleuve, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mouvement de foule. Il n'y a pas eu de piétinement. Les 2 millions de personnes ont bu. Les troupeaux ont bu. Les enfants ont bu. Les femmes ont bu. Les hommes ont bu. Ça veut dire que ce n'était pas un robinet. Ce n'était pas un robinet. Le Dieu te rencontre au niveau de ta foi. Moïse avait la bonne attitude. Il avait foi en l'Éternel. Il a frappé le rocher. L'eau est jaillie comme... En fait, le peuple n'est pas venu boire. L'eau
L'eau est partie. Exactement, c'est ça. C'est ça le secret. C'est l'eau qui est partie localiser chacune des personnes. Amen. Que pendant ce temps de restauration, je prophétise que l'eau du Seigneur te localise. Amen. Que l'eau du Seigneur te localise là où tu es. Là où tu es, qui te localise. C'est pas ça qui va venir. Il n'y avait pas de queue. Il n'y avait pas de queue. 2 millions de personnes, je ne sais pas combien ça fait en termes de mètres ou de kilomètres, mais ça veut dire que l'eau est partie les localiser là-bas. Amen. L'eau est partie les localiser là-bas à cause de la foi de Moïse, à cause de l'attitude de Moïse. Ton attitude est déterminante pas seulement pour toi, elle est déterminante pour tes enfants, elle est déterminante pour ton troupeau, elle est déterminante pour toutes les personnes qui t'entourent. Amen. Amen. Heureusement qu'il y avait Moïse. Et même avec ça, on voit qu'ils ont tourné 40 ans parce que tu peux compter sur les gens. Hein. Ça marche à un moment là, Dieu est bon. Mais ce peuple-là, ils n'ont pas fini de tourner. Hein. Ça, c'est juste un épisode. L'exode, ça a duré 40 ans. Ça a duré 40 ans. Parce que Dieu fait grâce, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Mais à un moment, il attend que ton salut, c'est toi qui en sois acteur. Arrêtez de croire que la prière de vos parents suffit. Arrêtez de croire que l'offrande de vos parents suffit. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Hein? Ta mère, elle fait des offrandes, c'est très, très bien. Bien sûr, tu vas être au bénéfice d'une manière ou d'une autre, mais pas au bénéfice vrai. Pas au bénéfice vraiment à un bon niveau. Tu as ton salaire, tu travailles, tu... Attends, soyons sérieux. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a déjà dit. Ma mère, elle peut faire des offrandes. Je sais que ses prières m'ont aidé. Je sais. Mais moi, quand un jour je reçois, il n'y a pas longtemps, une prophétie qui dit « Le Seigneur a vu tes aumônes », je sais que c'est mes aumônes. Hein. Ce n'est pas les aumônes que ma mère a fait. Non, mais sérieux. Arrêtez de compter sur les autres. Ton sol, c'est toi qui y mets de l'eau. Par tes offrandes, par ta prière. Ça saurait si tes parents peuvent te sauver. Ça saurait, non? Franchement, on serait pas là. Moi, j'aurais laissé ma mère faire le temps. Sérieux, moi, si les offrandes de ma mère suffisaient, est-ce que je mettrais des offrandes? Non. Quel fou. Si les prières de ma mère suffisaient, la sanctification de ma mère suffisait, mais je serais pas là. Et le Seigneur, il le sait très bien. Il le sait très bien, c'est pour ça qu'il a individualisé le truc, comme ça, il n'y a pas de secret. Et tout le monde est au même niveau, après, tout le monde fait ce qu'il veut. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah, on le sait, mais on fait semblant, non, ma mère, elle a écrit, ma mère, elle se fond. Toi, tu travailles, t'as ton salaire, peu importe le montant, t'as jamais rien donné. T'as ton ton, vas-y, go. C'est pour ça qu'ils ont tourné 40 ans. Il y a des épisodes, Moïse, il est venu à la rescousse. Comme là, comme devant la mer Rouge et tout ça. Et ça, et la preuve, dès que Moïse s'est barré de monter à la montagne, ils ont fait le veau d'or. Comme quoi, ils n'avaient jamais rien compris. Ah bah oui, t'es rattrapé. T'es rattrapé. Amen. Amen. Ils ont demandé de l'eau, ils ont reçu un fleuve. Le fleuve est parti les localiser. Là où il se trouvait. Le rocher s'est transformé en source d'eau. Le rocher, je vous ai dit, il n'y a qu'une seule solution. La solution, c'est Christ. La solution, c'est Christ. Normalement, des fleuves d'eau vive doivent couler en nous. C'est ce que dit la parole. C'est ce que dit la parole. Le peuple n'a pas marché pour boire. L'eau est allée les toucher là-bas. L'eau sortait de partout. Elle devait jaillir comme ça de partout. Amen. Amen. Tout ça pour vous dire que la saison de restauration est une saison hyper importante. Est-ce qu'on a dit chaque année, on a dit c'est la saison de la restauration? Non. Depuis qu'on est là, en tout cas depuis que je viens dans cette église, est-ce qu'on a déjà eu le temps de la restauration? Non. Ah. Donc là, c'est le bon moment. Donc là, c'est juste des tips, mais qui sont valables aussi pour moi. Pour chacun d'entre nous, de se responsabiliser et d'avoir la bonne attitude. Et l'attitude, elle est personnelle, elle est individuelle. Si tu as la bonne attitude pendant ce temps de restauration,
le Seigneur va venir t'inonder. Et on sait qu'avec son eau, on n'aura plus jamais soif. Amen. J'espère que tu as noté les actions, les bonnes attitudes à avoir. Je te dis, il faut bien parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Se tourner vers Dieu, parce que même pendant le temps de la restauration, les tempêtes viendront. N'aie pas peur. Tu t'appuies sur ton référentiel, la Bible, l'âme que le Seigneur t'a donnée. Tu passes devant, tu es maître, tu diriges la circonstance. Tu prends autorité, n'aie pas peur. La circonstance, elle a plus peur de toi en vérité. Amen. Amen. Tu prends ta verge, tu avances. Tu te bases sur l'œuvre de la croix. Tu te bases sur le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Tu avances, tu marches. Tu t'entoures des bonnes personnes. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. C'est le moment de prier plus qu'avant, d'intercéder plus qu'avant, de marcher avec les bonnes personnes. Et tu prends l'œuvre de la verge et tu frappes. Tu te bases sur l'œuvre de la croix. Amen. Et là, quand tu demanderas à Dieu à boire, parce que boire, c'est l'eau qui va étancher ton problème, ta soif actuelle. Moi, je ne sais pas exactement quelle est ta soif. Mais il y en a certainement une actuellement que tu vis. Le Seigneur est capable d'étancher ta soif. Tu lui demanderas de l'eau, il te donnera un fleuve et tu seras rassasié. Amen. Alléluia. On va se lever, on va prier. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la parole d'aujourd'hui. Je la prends pour moi. Car je suis dans un temps de restauration. Mon église est dans le temps de la restauration. Et je ne la manquerai pas. Seigneur, tu connais mes difficultés. Tu sais que j'ai soif. Aujourd'hui, je viens te demander, que ferai-je ? Que dois-je faire ? Parle-moi et instruis-moi. Et moi, Seigneur, de mon côté, je prends l'engagement de ne pas être dans la distraction, mais de prendre autorité. Je passerai devant la circonstance. Je gère la situation. Avec toi, je me tourne vers toi. Je m'entoure de bons conseillers. Des frères et sœurs qui ont la même vision que moi. Je prends la verge que tu m'as donnée. C'est peut-être un réma, c'est peut-être ta parole, c'est peut-être, mais tu m'as donné quelque chose. Je prends ce que tu m'as donné personnellement. Et je marche. Fais le marche, c'est prophétique, marche. Marche vers ta destinée. Marche. Seigneur, je prends la verge et je frappe. L'eau coule et m'inonde. Je déclare et je prophétise. Qu'en cette saison 2023, en 2023, Seigneur, ton eau me localise. Ton nom me remplit. Des fleuves d'eau vive coulent en moi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et tu vas dire Amen trois fois. Amen, Amen et Amen.